think it's a very important event for the whole rail sector today in Paris because it's very clear that without the rail sector and without the modal shift, we cannot reach the climate target which was appointed by the European Union. And the other thing that we signed a common pledge, more than 30 companies signed this pledge. It's very important to say whole Europe that the railway sector is not a member state level sector and we have to do competitive the whole railway sector EU level and not member state level. So I think this summit is all about. Je pense que c'est important que la branche finalement se mobilise. Ça ne doit pas être seulement une volonté politique, ça doit être aussi une volonté des acteurs de travailler ensemble, de collaborer. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est un signal fort qu'on envoie à l'adresse des ministres et de la Commission pour arriver à développer ce réseau de chemin de fer. C'est important qu'on soit, on fasse partie de ce système. C'est un système européen. On est un peu au centre de l'Europe, donc c'est très important pour nous d'en faire partie. C'est aussi important de voir ce que d'autres font et apporter notre expérience qui est très importante dans ce domaine. I think it contains a lot of important things which are also part of our efforts at European level to develop the sector. As I was saying, we are doing a lot, governments, European Commission, through the European budget, a lot of financing, but we also need that the industry itself is working together on implementation, on investing more. We put a focus on rail in Europe because it is a sustainable transport mode, and we put the light on it. So now it's time for everyone to work around this light and make rail truly a very the best transport mode for citizens and for enterprises. C'est une très belle initiative parce que ça montre que évidemment tout part quand même des opérateurs ferroviaires, de l'industrie, de l'écosystème, à la fois les constructeurs et les exploitants, et qu'évidemment politiquement, et c'est aussi l'objet des 48 heures que nous allons passer ensemble avec mes collègues ministres des Transports, l'idée étant d'être en support et d'organiser cette grande transition énergétique du secteur des transports, avec à la fois la décarbonation des modes qui polluent le plus, et puis l'accompagnement des modes comme le mode ferroviaire qui polluent le moins et qui ont par ailleurs beaucoup d'autres qualités. Donc c'est important d'avoir voilà, une combinaison des initiatives et cette forme de vertu dans les initiatives qui sont prises. Donc moi je les accueille avec beaucoup d'enthousiasme et vous pouvez compter sur le gouvernement français et les acteurs politiques européens au sens large pour supporter cette initiative.